nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. » Ce sont les mots qu'Ida Strauss a dit à son mari. L'une des femmes les plus riches du Titanic n'a pas fini dans un canot de sauvetage. Ida a choisi de rester derrière avec son cher Isidore. Quelques instants plus tôt, elle avait offert à sa femme de chambre un cadeau précieux qui lui a probablement sauvé la vie. Isidore et Ida Strauss sont toutes deux nées en Allemagne et ont émigré aux États-Unis quand ils étaient enfants. Ils se sont rencontrés à New York et se sont mariés 5 ans plus tard. Le couple a eu 7 enfants, mais heureusement aucun d'entre eux n'était à bord du Titanic. À la fin de son adolescence, Isidore a travaillé pour le magasin de son père. Puis il a lancé avec son frère une entreprise de porcelaine qui s'est développée pour devenir le département de la verrerie chez Macy's. Finalement, les frères ont repris l'ensemble du grand magasin et sont devenus millionnaires. Isidore et Ida étaient connus à New York pour leur richesse, leur charité et leur incroyable amour et dévouement l'un pour l'autre. Chaque fois qu'Isidore partait en voyage d'affaires aux États-Unis ou en Europe, sa femme l'accompagnait. Quand elle ne pouvait pas, ils écrivaient de longues lettres tous les jours. Le couple visitait aussi de temps en temps leur Allemagne natale. En 1912, ils ont échappé à l'hiver glacial de New York et se sont dirigés vers l'Europe. À ce moment-là, ils étaient déjà mariés depuis 40 ans. Ils ont surtout passé du temps dans le sud ensoleillé de la France et se sont également arrêtés dans la ville natale d'Isidore. Début avril, il était temps pour eux de reprendre la mer pour rentrer à New York. D'habitude, ils voyageaient sur l'un de ces énormes paquebots allemands de l'époque. Mais cette année-là, tout le monde ne parlait que de ce nouveau paquebot de luxe, le RMS Titanic. Ils n'ont pas pu résister et ont immédiatement acheté des billets de première classe. Le 10 avril, ils sont montés à bord du tout nouveau navire de la White Star Line pour un voyage qui s'annonçait grandiose. Ida et Isidore ont obtenu l'une des 39 suites privées situées au sommet du navire. Les billets coûtaient environ 100 000 dollars, en équivalent actuel. Certaines des personnes les plus riches du monde logeaient à côté d'eux. Les Strauss passaient leur soirée à dîner devant un orchestre, dans une salle remplie de meubles chics et de boiseries coûteuses. Ils jouaient aux échecs et au backgammon, fréquentaient la salle de sport, la piscine et même les cours de squash dont disposait le navire. Ce luxe n'a cependant pas duré longtemps. La nuit du 14 avril, le navire a eu son accrochage avec l'iceberg le plus célèbre de l'histoire. Les passagers ont ressenti une légère secousse, un petit grondement, rien de plus. Personne ne s'est rendu compte qu'il courait un quelconque danger. Les passagers ont même commencé à se lancer des boules de neige fabriquées à partir des morceaux de glace tombés sur le pont. Les officiers du navire ont dit à tout le monde que tout irait bien. Quelques instants plus tard, le capitaine Edward Smith a annoncé qu'il était temps d'enfiler les gilets de sauvetage et de monter dans les canots, au nombre de 20 seulement. Ils étaient tous rangés sur le pont supérieur. Il aurait pu y en avoir plus, mais les concepteurs du navire avaient pensé que cela donnerait un aspect trop désordonné au pont. Il y avait d'ailleurs un exercice d'évacuation de sauvetage prévu ce jour-là, mais à la place, ils ont dû faire face à une véritable situation d'urgence. En gros, seuls les passagers de première classe allaient pouvoir monter sur ces canots de sauvetage. Les Strauss ont quitté leur suite privée et ont attendu les instructions de l'équipage. Beaucoup d'entre eux étaient encore confiants. Ils ont dit aux passagers de ne pas perdre leurs billets, ils en auraient besoin lorsque tout le monde serait de retour à bord. Mais cela n'allait bien sûr jamais arriver. Le navire était déjà en train de sombrer. L'équipage a annoncé que les femmes et les enfants embarqueraient en premier. Les Strauss se trouvaient à côté du canot de sauvetage numéro 8. On a proposé à Monsieur Strauss, qui avait 67 ans à l'époque, de s'asseoir avec sa femme en raison de son âge. Il a refusé en disant qu'il n'était pas trop vieux pour se sacrifier pour une dame. Il voulait attendre et s'assurer qu'aucune femme ou enfant ne soit laissé derrière. Helen Bird, la nouvelle femme de chambre d'Ida, a hésité avant de monter sur le canot de sauvetage. Mais Ida lui a dit d'y aller. Il y avait encore de la place pour Ida. Et les autres femmes de première classe lui criaient de se joindre à elle. Il fallait environ 10 minutes pour charger chaque canot. Et c'est le temps qu'Ida a eu pour choisir son destin. Elle a enlevé son magnifique manteau de vison et l'a tendu à sa servante qui frissonnait. Ida a dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Mais le canot de sauvetage ne voulait pas partir sans elle. Les marins ont essayé de l'attraper et de la forcer à monter dans le bateau. Pendant ce temps, l'orchestre du Titanic jouait encore un air entraînant en arrière-plan. C'était ubuesque. Ida s'est arrachée aux mains des marins et est restée sur le pont. Isidore la suppliait de partir. Elle a refusé de le quitter, quoi qu'il arrive. Tous les survivants du canot de sauvetage numéro 8 se sont souvenus de ses dernières paroles sur le véritable amour face à la tragédie.
Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. » Il a fallu une heure entière pour que le premier canot de sauvetage plonge dans l'eau glacée. Le dernier souvenir du Titanic pour de nombreux passagers était Isidore et Ida debout et main dans la main sur le pont. Plus de 200 passagers de première classe ont survécu. Certains d'entre eux ont dit que les Strauss étaient assis paisiblement dans deux chaises longues, se tenant la main, attendant simplement leur sort. Les 25 passagers du canot de sauvetage numéro 8 ont passé le reste de la nuit à ramer pour se mettre en sécurité. Ils poursuivaient ce qu'ils pensaient être les lumières d'un navire. Il s'est avéré que le navire de sauvetage est arrivé de la direction opposée. Mais ils ont eu de la chance d'être retrouvés. De nombreux passagers, dont Helen Bird, ont partagé l'histoire d'Ida et Isidore avec les journalistes, disant que c'était leur souvenir le plus important de cette funeste nuit. Un mois plus tard, environ 30 000 personnes se sont rendues à leur cérémonie commémorative. Et même le maire de New York est venu. Personne ne semblait surpris que les Strauss aient sacrifié leur vie pour les autres. Helen Bird a essayé de rendre le fameux manteau de Vison à la famille Strauss, mais ils lui ont demandé de le garder en souvenir d'Ida. La seule chose qui était avec les Strauss cette nuit-là et qui existe encore est un médaillon en or et en onyx. Isidore l'avait accroché à sa montre à gousset. Le médaillon contenait deux photos, une de leur fils aîné et une de leur fille aînée. Le médaillon était tellement bien fermé que les photos n'ont pas été mouillées. Certains des bijoux du Titanic sont restés intacts, même après 70 ans. L'expédition de 1985 a trouvé des colliers, des bagues, des broches, des boutons de manchette, toutes sortes d'accessoires. Une montre à gousset rouillée qu'ils ont trouvée s'était arrêtée à 1h45 du matin. C'est à peu près l'heure à laquelle le navire a coulé. À bord, un collectionneur de livres s'est assuré que sa mère et sa femme de chambre montent dans un canot de sauvetage. Il n'a pas eu autant de chance. Dans ses bagages se trouvait un livre rare, vieux de 400 ans. Widner rentrait à New York après une chasse aux livres anciens les plus réussis. Ce petit livre repose quelque part au fond de l'océan, avec les 7 millions de lettres que le Titanic transportait. Une lettre a été écrite par un passager de première classe à sa mère la veille du naufrage du Titanic. C'est la seule lettre écrite à bord qui ait survécu à l'Atlantique glacial. Elle a été retrouvée pliée dans un cahier à l'intérieur d'une poche. Un autre passager de première classe était un chimiste d'origine allemande. Il se rendait à New York pour ouvrir une parfumerie. Tout ce qui est resté de lui était un sac rempli d'échantillons de parfums. Alors que le Titanic coulait, le violoniste Wallace Hartley et son orchestre ont continué à jouer jusqu'à la toute fin. Quand Hartley a réalisé qu'il n'allait pas s'en sortir, il a décidé de sauver la chose la plus précieuse qu'il avait, son violon. Il l'a mis dans un sac en cuir pour qu'il flotte. 10 jours plus tard, ils ont retrouvé le violon endommagé par l'eau. Sa fiancée l'a gardé et des années plus tard, il a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars. C'est aujourd'hui encore un des vestiges les plus importants du Titanic. Les 5 pianos à queue se trouvant à bord n'ont pas eu autant de chance. Ils sont toujours là quelque part. Les plongeurs ont tout de même réussi à récupérer une partition de musique. C'était la chanson d'une pièce de théâtre de Broadway. Elle était encore lisible, même après plus de 70 ans sous l'eau. La seule voiture qui se trouvait sur le Titanic vaudrait probablement des millions aujourd'hui. Le coupé Renault CB appartenait à un passager de première classe, William Carter. Évidemment, le malheureux véhicule n'a pas subsisté. Carter et sa famille ont survécu à cette terrible nuit et ont même déposé une réclamation de 5 000 $ à leur assurance pour la voiture.